Coucou tout le monde, bon, on se retrouve après plusieurs jours où j'ai vlogué, ou peut-être même une semaine et demie, je sais plus, ça fait un bout de temps. J'ai pas vraiment eu le temps de vlogger pour quoi que ce soit. Pas l'envie, enfin ça a été très compliqué, on va dire, ces derniers jours, mais là ça va mieux. Et à partir d'aujourd'hui, je suis en vacances pour un mois, donc là ça va être cool, il va y avoir sûrement des vlogs que je vais faire un peu plus régulièrement. Enfin, j'espère. J'avais commencé déjà à vous monter un vlog et que j'ai abandonné parce que j'ai vraiment pas eu le temps de me poser dessus aussi. Donc voilà, j'espère que dans pas longtemps ce vlog-là vous l'aurez vu. Enfin, normalement vous l'aurez même déjà vu, mais il y aura eu du temps entre le vlog du nouvel an et puis le nouveau. Mais bon, c'est pas grave. Je vais refermer ce volet-là parce que le soleil il tape dessus. On a les enfants et JB qui sont pas à la maison. Ils sont partis faire des courses et puis laver la voiture. Ça fait la petite sortie de la matinée. Hop, à une main, c'est pas pratique. En plus, elle est dans le noir. Mais bon, là en ce moment, on vit un peu dans le noir dans cette maison hein, parce que bah, la chaleur est insupportable en ce moment à Mont-de-Marsan. On monte dans des températures très élevées et c'est pas fini. Ce week-end, lundi prochain, ça va être horrible. Donc on va, je pense, rester souvent enfermés dans la maison. On dépose les enfants dimanche en colo. Vaut mieux comme ça. Dimanche, on les dépose à leur colo qui est pas très loin de, qui est au niveau du bassin d'Arcachon. Donc, on les emmène et puis après, on a une semaine tranquille tous les deux de vacances. Ça va être cool aussi. Il y a les fêtes de la Madeleine qui arrivent. Pareil, on va aller participer avec JB. On va sortir avec les copains. Quand les enfants reviennent, on va aller se faire une journée avec eux. Enfin, il y a plein de petites choses qui vont arriver. L'anniversaire de Maxence dans pas longtemps. Enfin voilà quoi. En plus, on a prévu plein de petites surprises pour cet été. Donc vous verrez tout ça si j'arrive à me tenir à vous filmer tout ça. Mais je pense que ça va être des bonnes vacances. Ça va être cool. Je vais peut-être me faire même mon petit onglet à vacances. Et puis là, c'est vacances Mont-de-Marsan. On loue rien et tout ça parce qu'il y a des chances qu'on déménage pendant nos vacances, qu'on ait réussi à acheter tout ça, notre nouvelle maison. On est en attente des offres de prêt. Tout a été validé, tout ça. Il manque plus que les recevoir. C'est trop long. On aurait même aimé les avoir déjà pour pouvoir avancer, mais bon, c'est pas grave. Normalement, on va dire, je pense que semaine prochaine, début de semaine prochaine, grand max, on devrait les avoir. Et les fameux 11 jours à attendre pour être sûr de valider. Et puis après, aller signer, et puis enfin déménager. On croise les doigts. Bon, on se retrouve, on est dans l'après-midi, non, plutôt fin de journée, les 18h20. On va faire quelques courses. On est en train de préparer les sacs. Bon, les valises des enfants pour la colo, et puis on se rend compte qu'il nous manque forcément quelques petits trucs. Donc on y va là ce soir, comme ça c'est fait. Ça sent la fumée, mais c'est un truc de fou là, depuis qu'il y a l'incendie au niveau de la Teste, au sud de Bordeaux, ça va vers Cazaux, enfin. Et on a l'impression que bah, ça vient pas jusqu'ici, mais on sent vachement la fumée et on est assez enfumé aussi. À cause des nuages, voilà, c'est pas top top tout ça. Hein. Mais bon, allez, on va aller chercher tout ça. Bonjour tout le monde, on est samedi matin, je suis en plein préparation des valises des enfants. Là, on est en train de faire les étiquettes pour mettre sur tous les vêtements. Il y en a, je vous raconte des étiquettes à coller. J'ai déjà fait la valise d'Andrea, donc les petites valises qu'on a achetées hier, je ne sais même pas si je vous avais montré. On a pris cette gamme-là qui peut s'agrandir un peu plus et on a de la place pour ranger toutes ses affaires. Donc là, il y a toutes les affaires d'Andrea qui sont rentrées nickel. Elle a son petit sac à dos dedans. Elle a quelques affaires aussi. Et c'est très bien. Donc là, il est déjà 11h30. Je m'attaque seulement à la valise de Maxence. JB est en train de passer un bon coup de nettoyage sur notre voiture, la Mégane. Parce qu'on a quelqu'un qui vient la voir pour potentiellement l'acheter. On est content. On a déjà réussi à vendre la C3 à un de mes amis d'ici. Là, la Mégane, on l'a peut-être vendue, mais c'est pas encore fait, mais peut-être. Donc on avance bien dans nos trucs avant le déménagement parce qu'on ne voulait pas déménager encore d'autres voitures. Puis ça nous fait un petit peu de sous en plus pour pouvoir payer les frais de l'achat de la maison. Donc c'est pas plus mal. Mais allez, je vous laisse parce que j'ai tellement de choses à faire que si je vous parle, j'avance. Bon, j'ai fait deux valises déjà. Il est midi et demi. JB a fini de nettoyer. Là, il me reste les affaires de Amaury qu'on commence à remplir gentiment dans son sac. Les sacs de voyage, le sac à dos des enfants sont prêts. Dans les trousses de toilette, il manquera plus qu'à mettre brosse à dents et dentifrice. Et puis c'est tout bon quoi. J'avance bien. Bon, on a notre petite Oui qui a été chez le coiffeur tout à l'heure avec papa. Qu'est-ce qu'il est beau! J'adore. Il avait essayé de laisser pousser les cheveux pour être comme Maxence.
Mais en fait, ça lui plaît pas du tout, hein, comme à chaque fois que tu essayes. Donc là, il est tout beau, tout bien pour partir en colo, comme il aime bien. Ouais, ça va être super. Et tout qui est prêt pour partir demain? Bah Mais oui. T'es impatient? Oui. Ouais, ça va être bien. Mais très 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 bien, je Ouais. pense. Tu vas faire plein d'activités? Oui. Ouais. Puis il va faire beau. Oh Oui. oui. Coucou tout le monde, bon, on se retrouve, on est à Andernos avec toute la petite famille. On s'est trouvé un petit parc, je pense, près de la mairie, pour faire notre petit pique-nique bien à long, parce que déjà trouver une place ici, c'est un calvaire. Et on a trouvé ce parc pour venir pour manger, parce que les plages en plein soleil, c'est même pas la peine. Et on va manger à côté de la fontaine. Regardez. C'est mignon. Alors, attendez, voilà. Ça va être cool. Bon, nous voilà arrivés au centre. Il y a plein de trucs sympas. Bon, on va poser les valises et on va aller enregistrer les enfants. Ouais, allez, tu prends ta valise et puis vous allez y aller. Ça y est, ils s'en vont. Bon, petit bout déposé, ça fait trop bizarre. En plus, on est arrivé pour se poser quelque part, puis on nous a limite pris des mains. Ah, c'est l'heure, ils vont là. Mais bon. Donc maintenant, nous, c'est parti. Je vais vous montrer une petite surprise. Petit week-end, façon de parler, mais 2 jours en amoureux. Bon, nous voilà bien arrivés à donc Brie-sous-Chalais. C'est là où on a réservé une chambre dans un gîte, alors dans une particulier. Les gens habitent ici aussi. Et regardez déjà comme c'est magnifique ce mur-là. C'est l'entrée du gîte. On vient d'aller voir la chambre, tout ça, la piscine. C'est magnifique, franchement. On va être bien. Donc, il y a JB qui ramène la voiture au bon endroit. C'était garé un petit peu plus loin. Et en fait, c'est chez les voisins. Mais là, franchement, ça va nous couper de la vie de tous les jours et nous dépayser et se sentir vraiment... vraiment bien. Franchement, ça va être cool. Là, elle vient de nous proposer une petite citronnade qu'elle va emmener dans la chambre avec des glaçons pour bien nous désaltérer. Et on va boire ça. Et puis après, on va aller à la piscine. Je pense que c'est la première chose qu'on va faire, la piscine. Et je vous montrerai la chambre. Elle est magnifique. Apéro en terrasse, comme on peut dire, non, au bord de la piscine. C'était bien sympa.
Et il y a un truc que je vous ai pas dit, parce que vous n'avez pas les odeurs, mais dès qu'on rentre, ça sent le romarin dans la chambre. C'est vraiment très agréable. Elle a mis des petites... franchement, juste deux petites branches. Ça embaume toute la chambre. C'est trop bien. Ce soir, on va faire un petit resto sympathique qu'on a trouvé pas très loin. Et puis après, on revient ici, tranquillement. Dans notre petite chambre d'hôte, on vient de croiser les propriétaires qui sont en train d'arroser toutes leurs plantes. D'ailleurs, le restaurant, on a passé un très bon moment, on a très bien mangé, c'était succulent, franchement très très bon. Moi, ma viande, j'ai pris une entrecôte. J'adore manger les viandes dans les restaurants. À la maison, je mange de... Alors attendez, on va allumer la lumière. À la maison, je mange de moins en moins de viande. C'est pas un choix par... par envie ou quoi que ce soit, c'est juste que je me rends compte que finalement je mange de moins en moins de viande, mais j'adore toujours la viande. Mais quand je rentre dans les restaurants, je me prends toujours souvent des bonnes pièces de viande et elles sont toujours méga bonnes. Et là franchement, on s'est régalé. Et donc là, on vient d'arriver, on demandait à la propriétaire si on pouvait faire un petit plouf dans la piscine. Et puis on a papoté, et puis là, vient de nous proposer de prendre un petit digestif avec elle. Elle va nous proposer de la chartreuse parce que c'est un couple d'anglais, en fait, qui travaillait en Isère et qui avait toute leur vie là-bas et qui ont tout abandonné l'année dernière pour acheter ici. C'est un endroit magnifique. Et donc, papoter un peu sur notre vie. Elle dit, oh, on va aller se prendre un petit coup. Je vous propose un petit Dijon, ça. Donc, petite soirée super qui va être bien avec les propriétaires. Je pense qu'on se revoit que demain entre nous, hein. Et demain, on va faire des visites aussi aux alentours et je pense que ça va être super. Bon, on a un petit souci ce soir. On rentre du petit verre qu'on a eu avec les propriétaires. On lui expliquait que la clé ne fonctionnait pas, qu'on pouvait pas fermer la porte. Donc, elle a montré à JB comment fermer. Ah, et ça s'est ouvert, mais ça fait un bout de temps qu'on est enfermé. Parce que là, ça devait bien faire 10 minutes que JB et la propriétaire étaient en train d'essayer d'ouvrir cette fameuse porte. Oui, c'est bon, j'ai la clé. Non, mais en fait, c'est juste qu'il fallait appuyer un bon. Et on n'arrivait pas à l'ouvrir, ça restait fermé. Enfin, moi j'étais dedans, ils étaient dehors. Enfin, au bout d'un moment, ils ont quand même réussi à ouvrir. Mais je crois que c'est une histoire de poignée qui n'est pas forcément comme il faut. Ah, c'est bon. Ouais, mais si tu nous as enfermé. Ah, c'est ouvert. Ah. Non, mais c'est bon, JB, je crois qu'il a trouvé le principe de la poignée. La poignée est dure. Bonjour tout le monde, on est le lendemain matin, on a passé une bonne nuit. La chambre est vraiment fraîche, on a bien dormi. Là, on s'est pris une bonne petite douche et on va aller prendre le petit déjeuner. Tranquillement. La JB est déjà en place. Ah, ça donne envie de se baigner quand tu vois la piscine. Là, il fait déjà très chaud.
on s'est trouvé un petit resto, ça s'appelle Le Flore. C'est bien sympa. Ça fait petite brasserie de village. Bon, à l'extérieur, hein, tout est rempli. Bon, on est mieux dedans, non ? Mais il fait chaud quand même, ouais. C'est très dur. Donc, on s'est pris petite bière rafraîchissante qui fait du bien. Coucou, moi ici, il est 14h. Je me suis cognée contre le truc. Moi, je me suis mis complètement à l'ombre. Ça doit faire une heure qu'on est rentré du resto et qu'on s'est posé au frais dans la chambre parce qu'on a de la chance d'avoir une chambre qui est en pierre et qui garde vraiment la fraîcheur. Franchement, je pense qu'on est dans la pièce la mieux de la maison. Donc, on s'est un peu rafraîchi là-bas. Et là, maintenant, on va aller à la piscine parce que moi, je suis sortie, je suis déjà toute prête à aller dans l'eau. Il y a JB qui va pas tarder à arriver. Il va ramener la crème solaire parce que là, il y a vraiment un soleil de plomb. C'est impressionnant. L'eau ce matin était à 28. Donc là, cet après-midi, j'imagine même pas, mais elle doit être au moins 29-30. Donc ça va être cool. Et on profite à fond de notre week-end. Enfin, le week-end, on n'est pas le week-end, hein. Mais nos petits deux jours en amoureux ensemble. Et ça, c'est trop cool et ça fait un bien fou. Et le calme. Le calme sur mes enfants, le calme de la campagne d'ici, franchement c'est magnifique. Donc, c'est cool. Chill, bronzage, farniente autour de la piscine. J'ai bien à un moment donné, il est rentré en frais dans la chambre et voilà, du coup, je sais pas si vous entendez bien. Il s'est même endormi. Après, on était là pour ça aussi. Et là, maintenant, il va être 4h. On va à Auxerre-sur-Drône pour visiter. Donc c'est un plus beau village de France. Il a une église souterraine qu'on peut visiter. Normalement il y a une visite à 17h30. Donc on va aller faire ça. J'espère que ça va être possible parce que ce matin le château, bah finalement c'était fermé le lundi. Donc là on espère que ça va pouvoir être possible. Et on va manger le soir là-bas, visiter le village. Enfin je pense que ça va être super. Thank you.
toujours quand on est à une terrasse de Hopetère là sur Drône, après avoir fait notre petite balade dans les rues et l'église souterraine qui était magnifique, franchement c'est, et la fraîcheur dedans, c'est impressionnant. Enfin, on a beaucoup aimé. Vous avez vu les images juste avant. Là, on s'est posé en terrasse pour boire un petit coup, une petite limonade, un petit fusti, vraiment pour faire du bien, ce qui fait tellement chaud. On est à l'ombre des arbres. Toute la terrasse, c'est celle que j'ai prise au tout début. Elle est vachement belle. Franchement, on aime bien. Et donc, on réserve pour manger ce soir. Et on va aller se balader d'un autre côté de la ville qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Et puis, on va se manger ici. Bah, viens. Pour 19h. JB vient de réserver. 19h, super. Je pense qu'on va bien manger en plus. Bonjour tout le monde, nouvelle journée, il fait calme, par contre ça sent la fumée et au loin c'est très brumeux, on a l'impression de sentir les feux de la Gironde et des Landes, ce qui est quand même impressionnant je pense. Aujourd'hui on se lève plus tôt, on va aller, on part à la maison, mais en route on s'arrête à Saint-Émilion pour faire la visite des vignobles et puis d'une cave et dégustation, donc ça va être cool, mais pour ça vu qu'il y a de la route il faut qu'on parte tôt, donc là il est 8h15 et on va aller petit déjeuner. C'est bon, on est sur le départ, il fait pas très très beau en fait ce matin. Mais ça a l'air aussi beaucoup. On a l'impression qu'elle a fumé comme si la fumée du feu de Bordeaux en fait par le vent vient par ici. Mais il fait moins chaud, ça va être agréable pour la route. Maintenant direction Saint-Émilion. Oh yeah.
On se retrouve, on est à Libourne, on a fini notre visite petit train des vignobles autour de Saint-Émilion et de la dégustation, c'était vraiment très bien. Alors juste le petit train, je pense que ça vaut pas trop le coup de le faire, mais d'avoir la dégustation et la visite des caves monolithes, c'est vraiment bien. Maintenant on va manger et après retour à la maison.